Eh bien, salut à toutes et à tous, les amis, c'est Julo39 et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour un 30. Pardon. Pas un 36e, non. Un 40. Même pas. 46, 47e épisode de Zelda Breath of the Wild. Putain, on avance tellement dans les épisodes, je sais même plus au combien où on en est. Dans 47e épisode, donc. On va continuer. Là, on est arrivé dans une nouvelle région. On va essayer de continuer un petit peu. Fallait qu'on aille jusqu'à la tour là-bas. Donc, on va aller voir ça. Relais des alpages. Est-ce que je peux... Ah merde, non j'allais dire ils en sont pas après moi, mais si en fait. Zut, zut, zut. Ah merde, et puis j'ai plus de... J'ai plus de flèches, merde. Du coup, on va grimper. Voilà. Bougez de là, vous, s'il vous plaît. Ah! Il y a un dragon. Il va aller où? Il va aller par où? Parce qu'il me fout de ses écailles. Il me fout de ses écailles. Il fait quel trajet, le petit? Ah zut, je crois que... Ouais. Il part, non? Ah zut, 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 zut. Et je crois que c'était bien en plus le dragon qu'il me fallait. Il me semble. Et ouais. Ouh, attention, elle m'a chargé l'autre. Feu électrique, bouge. Voilà. Ils vont vouloir m'éliminer, eux. Ouh, raté du con. Haha. Et trace, 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 trace. Ok, impec. Tour du lac. En plus, vous voyez, c'est sacrément bien gardé. Voilà. Tablette Chica reconnue activation. Avec le dragon, comment c'est stylé. Oh yeah. Acquisition des données locales. La petite goutte. Et bingo. Oh yeah. Donc nous voici dans la région des lacs, les amis. Le fameux lac il y a. Alors, pardon. Par contre. Rordrak, toi mon ami, je suis désolé. Oh. Que
petit Rordrak. Il me faut une de tes écailles, mon grand. Mais je vois que t'as pas l'air d'être bien motivé à me la donner. Alors, il y a un sanctuaire ici. Alors, attendez. Ce que je vais faire... Voilà. Ah, punaise. Je vais essayer depuis ici, mais ça m'étonnerait que j'y arrive. Flèche de glace, j'ai que ça. Aïe, 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 allez. Ouh. Attendez, merde, j'ai une idée, vite, vite. Oui, donne-la-moi. Ah non, toi, tu me fous la pelle. Je vais chercher mon écaille. Casse-toi. Moi, je m'en fous. Je veux mon écaille. Na. Écaille de Rordrak. Bah, c'est très bien. Alors, est-ce que je peux retourner maintenant? Oh, j'ai eu mon écaille, je suis content. Alors lui, il apparaît la nuit, dirait-on. Puis c'est le fameux... Aïe, le fameux dragon qui passe aussi dans la forêt de Firon. Vous savez, au niveau des cascades. On l'avait vu un coup, là. Alors... On va d'abord aller ici. Avant... Avant, j'aimerais bien regarder un petit truc. Si ce n'est pas trop demandé. Si, c'est trop demandé. Parce que eux, ils sont en train de m'attaquer. Alors, on va d'abord aller se faire le sanctuaire, là. Sanctuaire de Yanaga. Allez, c'est parti. Ok, attendez. Une seconde, je ferme ma fenêtre. Il va y avoir un peu de bruit dehors. Fendre les cieux. Alors, oh oh. Où est-on nous? Ah, j'ai ma petite idée. Donc là, il faut donc que toi, tu m'emmènes là-haut. C'est bien ça. Par contre, pour le coup... Paf! Non. Comment ça, t'as pas bougé? Ah, j'ai ma petite idée. Toi, on te pose là. Toi, on te fout là-dedans. Voilà. Et voilà. Et ensuite, on refout une bouboule là-dedans. On monte sur la plateforme. Et on s'envoie en l'air. Ok, d'accord, bon. Un truc pourri.
Ah, le coffre était là. Le coffre est en face. Hop. Ouf. Hop là, nickel. Y a quoi là-dedans? Sabre de la défiance. Ah. J'en ai pas des sabres comme ça, il me semble. Ah bah si. Jeté. Et on en récupère un autre. Et on a les coffres. Alors, pourquoi celui-là? Ah, c'est petit sabre. Merde. Oui, j'ai bien fait de regarder de nouveau. Petit sabre et sabre. Alors, on va prendre le grand. Voilà. Et puis, bah, c'est bon. Voilà, on a tous les coffres. On peut continuer. Enfin, on peut se barrer d'ici. Voilà, très bien. Alors, par contre, je sais que là... Il y a un truc à faire. On récupère les poissons, soit dit en passant. Oh mais, il veut pas me foutre la paix lui là. Non mais oh. Sans blague quoi. Allez, fous le camp. Ça au prix des alphos, va. Par contre, je ne sais plus c'est où exactement. Ah, c'est peut-être là-bas, alors. Oh. Qu'est-ce qu'ils sont plaies, eux, hein, franchement. Ah, voilà, c'est là. Une Zora. Bonjour. Belle journée, que fais-tu là? Je pêche. J'attrape des poissons pour les vendre au bazar du domaine Zora. Le domaine Zora? Oui. Ce n'est pas exactement la porte à côté, mais je trouve pas... Mais je trouve des tas de poissons rares ici, alors ça vaut le coup de venir. Voilà, Marjorie. Alors elle... Elle, il y aura une quête à faire avec elle, donc au moins on sait où elle est. Je vais juste placer... J'aurais bien placé une étoile, mais il faut pas que j'y confonde avec un sanctuaire. Non. Ça devrait aller. Ok. Ensuite, du coup... On va retourner sur la tour et on va voir s'il n'y a pas un autre sanctuaire dans le secteur.
Alors, il faut que j'aille voir. J'avais fait celui qui était là-bas. Il faudrait que je fasse... Un petit peu ouais, ça c'est juste des flammes, c'est des flammes. Juste un petit peu en reconnaissance. Ok. J'ai rien aperçu vu du ciel. Bon, de toute façon, je les localiserai comme je l'ai fait jusqu'à présent. On verra ça plus tard. Viaduc d'Ilia. Et là, il me semblait, il n'y a pas quelque chose là-haut par hasard. Dis-moi. Là, franchement, ça sent le souvenir, hein. J'ai un doute, je me rappelle plus très bien, mais ça sent le souvenir. Oh, mais... Il veut pas me foutre la paix, lui, là. Oh, ça n'a pas l'air. Hein. Écoutez, j'y reviendrai plus tard. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Je vais passer par où? On va passer par là. Au point vert, parce que donc, du coup, maintenant qu'on a une écorce, c'est quoi? D'Ordrax, c'est ça? Ou de Nedrak. Non, c'est... Oh, je sais plus. Bref, il faut l'emmener à un certain endroit, cet écaille. Comme on l'avait fait pour le premier dragon, rappelez-vous, pour accéder à un sanctuaire. Alors du coup, je vais passer par là. Et on va aller au point, c'est le point vert. Bon ben on va escalader. Vu le relief, faut monter un petit peu, je pense. Voilà. On va aller par là-bas. Bonjour. Je fais que passer. Vous permettez? Ouh, il y en a là, il y en a, il y en a, il y en a. Ouh là là, il y a du monde. Je fais que passer, les amis, excusez-moi. Je viens voir ce que vous cachez là-dedans. Arc de soldat, c'est bien, j'en ai rien à foutre, je me barre. Buff des marais.
Donne-moi ta viande. Venez-en. Viande fine congelée. Ah merde. Bah ouais, forcément, parce que je l'ai congelée. Donc on grimpe, hein. On grimpe. On n'arrête pas de grimper. Et après, on aura fini le sanctuaire de la région de Firon. Il me semble. Ah, il y a un inox. Il est où? Il est là-bas, inox bleu, je l'ai déjà pris en photo. Non mais en fait, je dois confondre avec un autre endroit, non? Ouais, c'est pas possible, je dois confondre là. Je dois confondre. Viande grillée. Qu'est-ce que c'est marqué? Les orbes antiques protégés par les géants du mont du terme ouvrent le chemin de l'épreuve du héros. Ah ouais, il faut emmener l'orbe ici. Ah, du coup, merde. Mais... Bon bah écoutez, c'est pas grave, mais c'est bizarre parce que là j'ai un doute, hein, franchement. Donc ce soit par ici ou quelque part par là, mais je sais plus. Waouh, j'ai un doute. Bon, c'est pas grave. On va faire ça alors du coup. Donc normalement, voilà les inox. Je l'avais pris en photo, lui. Oups. Ah merde. Inox Benjamin. Ah, il a un nom. Voilà. Draco Badboko. Draco Arc Boko. Ok. Pomme. Allez, on récupère ça. Et on l'amène là-haut. Oh, il y en a trois! Non, tu déconnes! Alors, attendez. Ah ouais, ça crée épreuve, là. Du coup, il y en a une autre qui peut être là, en bas. Oui, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure.
Avec ma tenue de discrétion, comment c'est bien. Non. J'ai cru qu'il s'était réveillé. Bon, ben voilà. Voilà, et il nous en manque un. Il doit être par là-bas. Ouais. Inox noir. Oui. Quoi? Mais attends. Quoi? Tu te fous de ma gueule là? Attends, je suis en galère là, c'est pas normal. Comment ça se fait que... L'enculé! Ah le bâtard! Putain, merde! Oh putain, en plus j'y avais réussi! Quoi, merde! Oh, c'est con! Faut-il que je recommence? Attends, toi là, petit con, va! Putain, tu vas dégager de là! Voilà! Pour commencer. J'ai ma tenue de discrétion. Alors toi, tu peux te réveiller, tu peux l'appeler, j'en ai rien à foutre, moi je me tire. Ouais, c'est plus simple comme ça quand même. C'est ça que j'aurais dû faire au début, c'est monter en hauteur pour voler pour voler sur lui. Parce que du coup, comme les autres, comme j'étais au sol, les autres, bah, ils m'ont vu. Ils ont voulu se battre avec moi, et puis au final, bah, ça l'a réveillé. Normalement, là, ça devrait être bon. Ouais, ouais, ils sont bleus, les autres, là, regardez. Donc s'ils sont bleus, bah, tant mieux. C'est qu'ils ont été validés. Ah ouais, parce que merde, quoi. Et voilà le travail.
Par contre, je suis en train de penser à un truc. Mes fées ne sont plus là. Je me tapais un game over normalement. Si j'ai pas sauvegardé. Ah, il y en a deux là. Non, bah c'est bon, ça les a impeccables. Ok! Bon, bah nickel. Ah, bénédiction. Qu'est-ce cache-t-il là-dedans? Longue épée électrique. Hein? Du coup, là, celle-là, je me suis bien battu avec, donc je vais l'acheter. Je vais jeter ça plutôt. Voilà. Et je vais rééquiper. Voilà. Et là, on a le coffre impeccable. Nickel. Il n'y en a pas d'autres. Je préfère vérifier quand même pour être sûr. On ne sait jamais. Et où? Ok, bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, déjà pas mal. On verra ça dans le prochain, et puis on aura éventuellement échangé nos emblèmes du triomphe contre des cœurs. Bon, bah les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner. Et moi, les petits loups, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!